Salut à tous les amis et bienvenue pour cette petite vidéo test de Cuphead. Voilà, mais sur la version PC. Voilà, il y en avait qui m'avaient demandé il y a quelques temps si j'allais faire une version test, du moins une petite vidéo sur ce jeu, qui est un petit jeu de tir à la sauce années 30, enfin de tir et de réflexion. Comme vous allez le voir, on va faire un pacte avec un diable, c'est ça, avec des paris. Et il va falloir bien sûr rembourser notre dette. On se retrouve tout de suite pour la vidéo, les amis. A tout de suite. Donc voilà le petit jeu Cuphead, pour lequel on va commencer. Donc comme vous pouvez le voir, je lance juste ce jeu. Alors vraiment sauce années 30 au taquet, comme vous pouvez le voir. Donc je joue à la manette Xbox, moi. Voilà, vous pouvez également jouer à la manette Xbox. Je pense que ça doit être jouable. On va faire un petit tour au niveau du visuel. Voilà, donc je joue dans une petite résolution. Donc je vais monter tout de suite ma résolution, les amis, pour vous présenter. Voilà, exactement. Donc au niveau de l'audio, on reste comme ça. Les contrôles, voilà, tout simple. Et donc on va commencer maintenant. C'est parti avec une nouvelle sauvegarde. Hop, je vais y arriver, excusez-moi. Donc voilà Cuphead, comme vous pouvez le voir, c'est évidemment comme ça porte bien son nom, c'est deux tasses, hein. Donc il était une fois une place magique, machin, avec Cuphead et Mugman, voilà. Hop. Hop. Et il joue, comme je vous l'ai dit, au casino, avec, il signe un pacte avec le diable, là, ils jouent, ils font des paris, mais il va falloir rembourser leurs dettes. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous allons devoir jouer à ce jeu, parce qu'ils vont perdre, voilà, comme vous allez le voir. Et évidemment, il supplie le diable, donc maintenant il faut faire des choses pour lui. Et c'est ça, Mugman, voilà, donc ils ont eu peur. Hop, et ils doivent faire des mini-jeux, on va dire. Je pense que c'est à peu près ça, si j'ai bien tout compris. Alors ma curiosité m'a poussé à tester ce jeu et à vous le présenter. Ah, je suis pas très très bon en anglais, hein, donc... What a fine pickle you, boys have gotten yourself into. Ok. To be pawn of the devil. Ça, c'est avec le diable, le pacte avec le diable, un truc comme ça. You must play along for no collect. Ok. Bon, bref, il faut qu'on gagne. It will give you must remarque magic ability, ok. Donc lui il prépare du truc magique lui. On va faire tutoriel. Hein, on va essayer le tutoriel et comme ça vous allez découvrir un petit. Donc du coup, duck. Jump. Hop là. Ok, donc vous avez compris les commandes. Ok. Ah, ça c'est quand il y a deux players, ok. Ça c'est des coins, ok. Ok, donc on a compris le tutoriel, vous avez tous compris, moi également. Voilà, comme ça vous découvrez en même temps la base du jeu. Donc voilà, c'est un peu le principe. Du coup, j'aimerais bien pouvoir me barrer. C'est ça. Exit. Alors, j'espère qu'il va pas nous faire sortir du jeu, mais non. Voilà, donc, le petit monde. Donc, vous pouvez voir, vous pouvez avoir, évidemment, une liste des possibilités. Voilà. World 1, World 2, World 3 et Final World. Donc, vous vous promenez avec le petit Cuphead ou Mugman.
Hop, on peut parler aux gens, mais on va voir. Alors, Forest, Run and Gun. Donc ça, c'est un premier niveau, et je pense qu'il faut tous les compléter. Hop. Donc par contre, ça va très très vite. Donc, c'est un petit jeu de plateforme super sympa, franchement voilà, super classe. Par contre, faut péter tout le monde. Ouh! Ah, c'est quand même assez tendu. Oh là là là! Du fail, hein. Du jeu, du fun, du fail. On va essayer de le passer quand même. On va essayer au moins de vous montrer un niveau. Donc voilà, hop! Il fait années 30, mais par contre, il est vraiment pas simple. Oh là là, je suis encore mort. Je suis vraiment désolé, quoi. Here goes. Bon, pour ceux qui sont vraiment au taquet et qui connaissent vraiment le jeu, franchement, félicitations à vous qui ont réussi directement à le passer. Moi, je vous le dis, franchement, il est vraiment balèze. Pourtant, j'aime beaucoup les jeux de plateforme, mais alors là, waouh. Je suis presque meilleur à Call of Duty, quoi. Vous vous rendez compte, c'est pas possible. Par contre, il est vraiment exquis au niveau des graphismes. Je trouve ça juste énorme, quoi. Oh là là là. Bon, on va retourner à la map, hein. On va essayer un autre monde. On va voir, peut-être qu'il manque des trucs pour être meilleur, hein. Je sais pas du tout. Simple. Oh ouais, c'est simple en difficulté. Ah, je suis encore mort. Putain, mais c'est vraiment trop mauvais, quoi, en fait. Je vous fais une vidéo comment ne pas réussir le jeu. Ah ouais, j'ai cassé ma tasse, quoi. Ah, je suis encore mort. Ah, je suis vraiment désolé pour ce petit test. Enfin, tout ça pour vous montrer qu'il est vraiment super donc, génial. Donc, les amis, c'est sur ce fail, ce petit test fail, parce que je connaissais pas le jeu, que je vous ai présenté ce petit jeu Cuphead, voilà, qui est vraiment super bien. Vous pouvez le trouver sur Steam et sur d'autres plateformes, sur Xbox One aussi, je pense qu'il est sorti. Vous pouvez le trouver un petit peu sur toutes les plateformes. Moi, je joue sur PC, donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura quand même plu, parce que graphiquement, il est plutôt sympa, même si c'est un jeu des années 30, et puis surtout la bande-son originale, qui est vraiment top du top. En tout cas, voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir visualisé cette vidéo avec moi.
Et puis on se retrouve prochainement en live sur Twitch, bien sûr. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus et de vous abonner à la chaîne. On se retrouve prochainement. Je vous fais des grosses bisous. Ciao, bye bye. Prenez soin de vous. Thank you.